Tu as compté tous mes pas depuis le sein de ma mère. Alpha. Ton amour a précédé mes efforts de sainteté. Fait naître en moi tes louanges, Alpha Omega, Alpha Omega, le Dieu de tout temps qui conduit mes pas, Alpha Omega. Tout temps qui conduit mes pas, Alpha Omega. Alpha Omega. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout et adorer Jésus? Alpha Omega. Lève tes mains et adore-le ce matin. Alpha Omega. Le Dieu de tout temps, adore Jésus ce matin, qui conduit mes pas, Alpha Omega. Il est ici, Adabashada, Alpha Omega. Alpha Omega. Alpha Omega. Il est ici. Le Dieu de tout temps, alléluia, qui conduit mes pas, Alpha Omega. Alpha Omega. Oui, je le vois. Le voir élevé, élevé parmi les peuples, assemblé pour l'adorer. Oui, je le vois, oui, je le vois. Voici l'esprit. Oui, je le vois. Le Seigneur sur son trône. Le Seigneur sur son trône. Il règne. Il est le beau. Toujours. Une dernière fois. Oui, je le vois. Come on. Oui, je le vois. Peuple, tu est-ce que tu peux le chanter? Come on. Oui, je le vois. Élevé. Assemblée pour l'adorer. Assemblée pour l'adorer. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau. Mes yeux ont vu l'agneau. Le Seigneur. Je te donne 2 minutes. Tu vas élever la voix et tu vas lui parler ce matin. Tu vas simplement lui dire merci. Ne lui demande rien. Dis-lui merci pour la vie qu'il te donne. Dis-lui merci pour la grâce qu'il t'accorde aujourd'hui. Dis merci à Jésus. La Bible dit, compte les bienfaits de l'Éternel, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en l'adorant comment son nom est grand. Dis-lui merci pour
pour la vie qu'il te donne. Dis-lui merci pour les membres de ta maison. Dis-lui merci pour cette église. Dis-lui merci pour mon père spirituel. Dis-lui merci pour le leader de la MRI. Dis merci à Jésus pour la grâce qu'il te donne ce matin d'être dans sa présence. Dis-lui merci ce matin. Il n'y a rien de beau, il n'y a rien de plus merveilleux que d'être reconnaissant à Dieu par rapport à ce qu'il a fait pour moi, par rapport à ce qu'il a fait pour toi, par rapport à ce qu'il a fait même pour ta nation. Bénis Dieu ce matin. Merci Jésus. Alléluia. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le monde est composé des êtres humains, le monde est composé des animaux, le monde est composé des plantes. Dieu a aimé toutes ces choses, c'est pour cela qu'il a donné Jésus. Jésus, il donne Jésus pour reconquérir l'être humain. La Bible déclare que Jésus est l'agneau de Dieu. Excusez-moi, il donne Jésus comme étant agneau de Dieu pour reconquérir même les animaux. La Bible dit que Jésus est la rose de Sharon. Il donne Jésus même pour reconquérir les plantes. Je veux dire à quelqu'un ce matin, si tu veux reconquérir quelque chose, tu veux reconquérir des finances, tu dois donner l'argent pour Dieu, à Dieu. Tu dois sacrifier de l'argent. Si tu veux reconquérir quelque chose, je veux dire, un terrain, tu dois donner quelque chose qui a l'estimation d'un terrain. Tu dois dire, Dieu, voici mon terrain que je te donne parce que je veux reconquérir un terrain. Si tu veux une bénédiction, tu veux un chiffre dans tes finances, tu dois dire à Dieu, voici mon offrande. Voilà l'argent que je t'apporte. Écoutez, lorsqu'on dit apporter dans la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes, il s'agit de l'argent. Aujourd'hui, l'argent est la chose qui peut payer tout. Il ne faudrait pas que tu aies un mal quand il est question d'offrir à Dieu. Il faudrait que tu comprennes que même Dieu qui est le Tout-Puissant, qui est le Créateur, a donné un homme pour reconquérir toute une planète. Il faut que tu comprennes cela. Si tu comprends cela, laisse-moi te dire que ta vie ira de gloire en gloire. Voilà pourquoi tu dois comprendre que dans ton culte, l'offrande est une chose importante. Nous vous enseignons ici qu'apporter à la maison du trésor ouvre le ciel pour vos vies. Ce n'est pas une coutume. Vous devez comprendre que cela fait partie du culte. Je dirais même que c'est la partie la plus importante du culte. Prends ton offrande maintenant. Vous savez que chez nous, à la mission Réveil, on ne froisse pas de billets. Pourquoi? Parce que nous sommes fiers d'apporter à Dieu. Quelqu'un dira que la Bible dit ce que ta main droite donne, il ne faudrait pas que ta main gauche le sache. Mais lorsque vous lisez cette partie de l'écriture, il est question de donner l'aumône. Dieu n'est pas un mendiant, on donne l'aumône aux mendiants. Lorsque tu apportes à la maison du trésor, sois fier de ce que tu lui apportes. Prends ton offrande. Ne froisse pas le billet. Comme nous l'avons l'habitude de le faire, les hommes de Dieu vont faire leurs offrandes et après eux, le peuple. Mmh.
Dans cette atmosphère, pendant que tu apportes ton offrande, Dieu ouvre le ciel pour toi. Dieu ouvre le ciel pour toi. Car tu as donné. Recevez la bénédiction du ciel. Jésus-Christ, que vos greniers soient toujours pleins. Pendant que tu fais ton offrande, dis à Dieu, je veux que mes finances prospèrent. Je veux reconquérir mes finances. Je te donne l'argent parce que je veux que tu me le redonnes en retour. Oh, bénis ces offrandes au nom de Jésus. Multiplie nos avoirs, que nos greniers soient toujours pleins. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ramène-moi sur ta parole. Nous allons passer à un moment magnifique ce matin. Ne me laisse pas souffrir ailleurs. Je vais ici même, sans aucune autre transition, appeler l'ange de la maison. Celui-là qui viendra changer l'atmosphère autour de toi. Celui-là même qui viendra libérer une parole pour toi. Pour que Dieu se manifeste dans ta vie. Maintenant, recevons sous vos ovations le révérend Père Dolski Jorassioro, mon Père spirituel. Acclame Jésus jusqu'à ce qu'il prenne le micro. Acclame, 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 acclame Jésus de Nazareth. Salut tous dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu vas prendre la parole de Dieu. Nous allons aller dans le livre de Romains. Romains chapitre 12, au verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Amen. Amen. Tu vas répéter et tu vas relire la parole de Dieu en citant le verset. Romains chapitre 12, plus fort. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Qui a sa Bible, qui a sa parole de Dieu?
nous allons expressément nous lever tous. Et nous allons lire ensemble en unisson ce texte biblique. Lisons ensemble. Romains chapitre 12, verset 2. Lisons ensemble. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir en acclamant le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Pendant ce temps, on prépare Daniel 12, verset 4. Mon thème de ce matin, je n'ai pas l'habitude de donner les thèmes, de dire, d'introduire mes prédications par des titres pour ceux qui me suivent de près. Mais aujourd'hui, c'est « Soyons meilleurs que le siècle présent ». Alléluia. Amen. Mon sous-thème. Mon sous-thème, c'est regarder le siècle présent. Come on. Et revoyez votre conduite. Yes. Amen. Amen. Le texte biblique que nous venons de lire est la cause de la maladie du corps du Christ. Amen. Amen. Ce texte biblique là qu'on vient de lire est ce pourquoi les sorciers tuent plusieurs chrétiens. Ce texte biblique, je l'accuse. Je crois que je vais plutôt mieux parler. Je m'oppose à l'exégèse, je m'oppose à l'analogie divulguée par plusieurs hommes de Dieu en distillant ce texte biblique aux chrétiens. J'ai dit bien plusieurs hommes de Dieu. Nous sommes arrivés en Afrique à un stade de dernier dans la société à cause de ce texte biblique. Amen. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent. Alors, j'ai une anecdote. Une fois, une dame m'a regardé. Amen. Amen. Elle m'a regardé et elle m'a dit, homme de Dieu, pourquoi je ne t'ai pas vite connu? Alléluia. Amen. Elle a dit, pourquoi je ne t'ai pas vite connu? Elle perdait ses enfants par une maladie qui les tuait aux mêmes tranches d'âge. C'est-à-dire les enfants n'allaient pas plus vite, c'était une maladie du sang. Elle a perdu le premier, elle a perdu le deuxième, et le dernier enfant, c'est là qu'elle m'a croisé.
quand elle m'a croisé, je lui ai dit, mais maman, le problème est simple. Nous allons faire une sainte scène à tes enfants. Et puis, à ton enfant. Et puis, on a fait la sainte scène à l'enfant. Et c'est fini. Et tout le temps que j'étais à Yopougon, que cette femme m'a fréquenté avant qu'elle n'aille en Norvège, cette dame, 1 an, 2 ans, observait l'enfant, ne faisait plus de crise. L'enfant n'avait plus de problème jusqu'au jour d'aujourd'hui. Elle m'a dit, homme de Dieu, pourquoi je ne t'ai pas vite connu? Alléluia. Amen. Et puis il y avait une personne à côté d'elle qui a dit, tout ce que Dieu fait est bon. Dieu fait chaque chose en son temps. Vous voyez, ça m'a fendu le cœur. My God. Ça m'a fendu le cœur parce que je n'étais plus à l'âge où ces deux versets bibliques-là me convenaient. Quand elle était aux États-Unis, les médecins ont décidé d'écrire à Jean leur préfecture. C'est comme ça, on écrit pour dire que les deux là sont pas compatibles. Ils ne doivent pas féconder ensemble. Et c'est comme ça chez les Blancs. Ceux qui ont vécu les États-Unis, je ne sais pas si c'est pareil en Europe, mais la science a découvert qu'il y a des gens qui ne peuvent pas aller ensemble. Parce que tous les enfants qui vont naître de ce couple vont être malades. Soit ils vont avoir la trisomie, ils vont avoir une maladie génétique. Alors elle, par la foi, elle a tenu quand même à avoir les enfants avec ce monsieur. Donc elle a eu 3 enfants. Les 2 enfants sont décédés à un certain âge successivement. Et le 3e était en train de faire des symptômes critiques et cliniques de ça. Et paf, elle savait qu'elle allait mourir, l'enfant allait mourir. Et moi, elle me connaît, elle me rencontre par hasard à Yopougon. Et elle reçoit le miracle. Homme de Dieu, si je t'avais connu, mes 2 premiers enfants ne seraient pas morts. Vous savez, arrêtons-les. Ce n'était pas le temps de Dieu. Arrêtons-les. Tout ce que Dieu fait est bon, arrêtons parfois. Vous savez, j'étais dans une église dont la femme de Dieu était combattue. J'ai vécu sous une mère spirituelle combattue. Je sais que mes enfants spirituels peuvent comprendre ce que c'est que d'être dans une église d'un homme de Dieu controversé. Qui n'aimerait pas être dans une église où on dit du bien du pasteur dans la nation? Qui n'aimerait pas mettre la photo de son pasteur en profil avec aisance? Parce que je sais que si tu mets ma photo de profil ce soir, les gens vont commencer à t'écrire pour dire tu es mort. Tu suis cet homme de Dieu-là? J'ai vécu avec cette femme-là, mais elle avait un langage. Elle m'a dit un jour, fiston, je suis en avance sur mon temps. Effectivement, cette femme-là, qui n'était pas, qui est juste universitaire, qui n'a même pas eu le temps de finir complètement ses études, avait une autre intelligence qui n'avait rien à voir avec son cursus scolaire. Yes. Elle avait des manières de programmer l'église. Elle avait des manières de vouloir qu'on dispose les chaises. Elle avait des manières de vouloir qu'on s'installe. Elle avait beaucoup d'ingéniosité. Zoa Noé était là. À chaque fois qu'elle intervenait, j'aimais cette femme et elle est partie trop tôt. Et on s'est retrouvés entre les mains dans la transition. Avant que je n'aille en plein temps, on s'est retrouvés entre des mains d'amis, soi-disant de ma mère là, qui avaient une médiocrité que connaît l'église. Vous savez, quand elle est décédée, j'étais le plus jeune révérend. Je ne sais pas combien d'années vous me donnez en âge, mais vous vous imaginez, nous sommes en 2002. Ça fait combien d'années? Ça fait 19 ans, presque 20 ans.
Donc, retirez 20 ans sur mon âge et imaginez mon visage. Qui vient dans l'église d'un pasteur qui est aussi jeune? Qui peut être aussi à l'aise d'avoir pour pasteur un enfant? Alléluia. Amen. Qui peut donner sa vie, expliquer ses problèmes à un révérend aussi jeune? Alors moi, j'ai commencé à pratiquer le style de ma mère spirituelle. J'ai trouvé qu'on devait communiquer dans l'apparence vestimentaire. Et j'étais beaucoup basé sur les uniformes. J'étais beaucoup en train de recadrer les filles. Monima, Sandrine, Doulba, Larissa. J'étais en train de recadrer tout le monde. Ils m'en désiraient. Allez, il faut que maintenant on s'habille comme ça. Parce qu'on est jeune, il faut qu'on s'habille en costume sombre quand on vient au travail. Il faut qu'on renforce et autres. Et on avait une amie de la mère que j'étais le nom qui nous rendait visite. Non, que ça, c'est de la séduction. C'est de la séduction. C'est du m'as-tu vu. C'est de l'orgueil. Et quand elle prêchait, vous les voyez, le costume, les vestes. Jésus ne portait pas de veste. Parfois même, il marchait, il n'avait pas de chaussures. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je trouvais qu'on devait cotiser pour acheter un piano plus excellent. Non. Le Saint-Esprit, avec même un tam-tam, il se manifeste. Si je n'ai pas de voix, je le loue avec les mains. Si je n'ai pas les mains, je le loue avec les pieds. Et à chaque fois que moi, en semaine, je galvanisais les autres, le dimanche, on avait une prédication qui détruisait tout ce que j'avais établi comme stratégie de communication externe. Et je me battais pour ça. À un moment donné, il fallait faire connaître l'église. Maman est décédée, c'est elle qui faisait l'attraction de l'église. Quand elle fait les miracles, les gens venaient, elle n'est plus là. Donc nous allons commencer des thèmes, nous allons faire des affiches. Dieu n'est pas dans les affiches. Aujourd'hui, vous voulez vous faire voir. Chacun veut mettre son visage sur les photos. Oh my God! Donc tout ce que j'avais mis comme stratégie avec mes pasteurs, mes fils, mes frères, tout était détruit par une mentalité basée sur ce verset biblique. Ne vous conformez pas au siècle présent. Oh Seigneur Jésus. Comment? Seigneur Jésus. Alors on ne s'est pas conformé au siècle présent. Parce que faire des affiches, c'était le siècle présent. Passer à la télé, c'était le siècle présent à mon époque. On disait que non, ça sert à quoi? Aujourd'hui, les hommes de Dieu passent à la télé, ils font publicité comme qu'une magie fait publicité. Ils viennent se présenter comme les artistes viennent se présenter. Non, on ne devait pas aller à la radio, mais que Dieu, est-ce qu'au temps de Dieu, il y avait la télé? Est-ce qu'il y avait les affiches? C'était de bouche à oreille. Vous savez, quand cette femme m'a dit, si je t'avais connu plus tôt, j'ai détesté en même temps, non seulement la prédication qui m'a retardé, j'ai détesté aussi la prédicatrice qui m'a retardé. C'est-à-dire, j'étais dégoûté parce que je crois que cette femme ne m'a pas connu parce que je n'ai pas communiqué tôt. Comment? Arrêtons d'accuser le diable ou le destin ou le hasard. Tu ne communiques pas, tu ne seras pas connu. Tu communiques mal, tu seras méprisé. Le Coca-Cola qui se boit à la maison coûte pratiquement 200 francs. Mais le Coca-Cola, une fois que tu es hors de la maison, que tu veux le boire dans un restaurant, il change de prix en fonction de la prestation. Comment? Du lieu où tu es. Le Coca-Cola au Porc-au-Fou dans un petit quartier de Yopougon n'a pas le même goût et le même prix que le Coca-Cola qui se vend dans un quartier voisin du président de la République. L'article va avoir de la valeur estimale en fonction de la prestance qu'on lui accorde. On te définit, on t'exploite, on te juge, on t'achète en fonction du comment tu te vends.
on ne te connaîtra pas si tu ne parles pas de toi. Le livre de Proverbes dit que le livre de Proverbes a dit que c'est celui qui vient de loin qui te loue. Mais parfois, ne laissez pas toujours les gens venir dire ce que vous êtes. Ce n'est pas de l'orgueil que de savoir ce que nous sommes, c'est de l'estime de soi. Ce n'est pas de l'orgueil que de présenter qui nous sommes, c'est de connaître ce que Dieu a fait de nous et de savoir qui nous sommes. Les gens ont mal interprété ce texte biblique qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent. » Ce n'est pas le fait de copier ou d'imiter une organisation excellente qui est se conformer au siècle présent. C'est vrai. Alléluia. Amen. Oh my God. Le texte biblique dit quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Dis avec moi, de l'intelligence. De l'intelligence. Donc, le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence. Dis avec moi, l'intelligence. L'intelligence. Vous savez ce que Dieu appelle l'intelligence? Nous allons dans le livre de Daniel 12. Daniel 12, verset 4. Toi, Daniel, tiens secret ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Yes. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Et moi, Daniel, je regardais et voici deux autres hommes se tenaient debout. Amen. Amen. C'est quoi? Écoutez bien. Il dit... Quand on dit, il va redire la phrase où il est dit renouvellement de l'intelligence. Vous savez, l'intelligence, la Bible dit dans les derniers temps, l'intelligence d'un plus grand nombre va s'accroître. On est d'accord? Yes. C'est de cette intelligence qu'on parle. Et qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu dans le texte principal? Romains 12, 2 nous dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. On est transformé par quoi? Par le renouvellement de l'intelligence. Par Christ. Par le renouvellement de l'intelligence. Par la sanctification. Par le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire qu'il y a un système d'intelligence sur terre. Come on. Mais qui se renouvelle à chaque fois. Notre transformation doit être fonction de ce renouvellement des situations dans le monde. Yes. Donc vous voyez qu'il y a une thèse et une antithèse. Non, même pas une thèse et une antithèse. Il y a un fait qui semble se contredire dans un même texte. On nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent, mais en même temps, on nous demande de nous laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence. Yes. L'intelligence dont on parle ici, c'est l'intelligence sociétaire, l'intelligence sociale, l'intelligence anthropologique, l'intelligence technologique, l'intelligence de la médecine change, de la technologie change. Nous devons adapter notre technique d'évangélisation. Amen. Nous devons changer de stratégie. Les jeunes d'aujourd'hui sont concentrés dans les téléphones. Ils n'ont que le téléphone matin, midi, soir. Quelle est cette prédication qui vous dit que aujourd'hui les hommes de Dieu maintenant s'asseyent sur les réseaux sociaux? Ils sont maintenant des pasteurs d'internet. Vous voulez qu'ils soient des pasteurs de quoi? Les âmes sont où? Les âmes sont sur internet. Laissez-les sur internet. Laissez la jeunesse sur internet. Laissez l'évangile sur internet. L'évangile ne doit pas être hors d'internet. Amen. Tu peux arrêtez bien, d'effrayer. Papa. Yes. Il n'y a pas le diable dans les évangélisations sur internet. Un homme qui est converti aujourd'hui peut prêcher sur internet. On s'en fout. On n'a pas besoin de doctorat pour commencer à dire que Jésus existe sur internet. Come on, daddy. My God. Yes.
les pasteurs smartphone, les pasteurs Android. On a du péjoratif à l'intérieur, de l'ironie, de la moquerie. Mais j'ai été victime de ça. Et une femme m'a dit, si je t'avais connu, ne faites pas cette erreur, fils. Je suis une bénédiction pour votre génération. Ne faites pas mes erreurs. C'est vrai. Je vous dis, communiquez tôt. Parlez de Jésus tôt. Yes. Et je viens vous parler d'une chose. Ce n'est pas d'abord scientifique. Déjà, je parle d'un point de vue intellectuel. Comment, Daddy? Les chrétiens ne suivent pas Jésus. L'humain ne suit pas Dieu. Vérité. Il ne voit pas Dieu. Les humains cherchent un leader au travers qui ils verront Dieu. Comment? Comment, Daddy? Tu ne suis pas Jésus directement. Je suis ton pasteur. Les hommes ont envie d'avoir confiance. Ils veulent ressentir Dieu au travers quelqu'un. Comme une femme qui voit en son mari, son père, son confident, son ami. Écoute-moi bien. Dieu existe, mais il est manifesté dans un homme. Quand on lui obéit, on a le sentiment qu'on obéit à Dieu. Yes. L'humanité attend d'un ardent désir la révélation, pas de Dieu. La révélation, pas de celui qui est dans le ciel. La révélation des fils. Écoute-moi bien. L'homme veut voir l'homme. L'homme veut voir Dieu au travers l'homme. Yes. L'homme veut voir la création au travers l'homme. Yes. Dieu existe qu'en un homme. Ah. Yes. Fais-toi connaître. Car il est écrit, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Lorsqu'on vous verra, on verra Dieu. Yes. Arrêtez de fantaisister. Je ne sais pas comment on dit. Arrêtez les fantaisies. Seigneur, je me fasse pour que tu sois. Arrêtez ces prières. Ce n'est pas ça l'humilité. Dieu, s'il voulait travailler de lui-même, yes, il ne vous aurait pas utilisé. Vous ne pouvez pas vous effacer dans le programme de Dieu. Yes. Il est utile que vous existiez. Ne vous effacez plus. Acte 1:8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la Seigneur, terre. Utilise-moi. Seigneur, utilise-moi. Vous avez compris, répétez. Seigneur, utilise-moi. Seigneur, utilise-moi. Que je paraisse. Que je paraisse. Afin que tu paraisses. Afin que tu paraisses. Que je sois. Que je sois. Pour que tu existes. Pour que tu existes. Je donne envie. Je donne envie. À ma famille. À ma famille. D'accepter Jésus. D'accepter Jésus. Ne vous effacez pas dans l'histoire. Thomas a dit, je m'efface. On n'a plus parlé de lui. Pierre a dit, je m'efface. Paul a régné. On a oublié Pierre. Pourtant, c'est à Pierre qu'on a dit, sur toi, je bâtirai mon église. Mais après 1 Pierre, 2 Pierre, c'est fini. Tout le livre d'Actes des Apôtres, de Corinthiens, de Timothée, de Philippe, de Philippiens, d'Éphésiens, de Tite, ont été consacrés à l'apôtre Paul. Paul, où étais-tu? Tu ne connaissais même pas Christ physiquement. Mais pourquoi il règne? Il dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Il n'a jamais vu Christ, yes, mais il s'est désigné imitateur de Christ. Pourquoi Paul est allé loin? Parce que Paul savait communiquer sur lui. Il dit, quand je suis avec les Grecs, je me comporte comme un Grec. Quand je suis avec ce siècle présent, j'imite le siècle présent. Yes. Paul a dit cela. Ah! Come on, Daddy. Attendez. Arrêtons ce test biblique-là. Arrêtons avec ça. Ne le déformons pas. Conformez-vous au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Je ne suis plus en train de citer ton verset. Comment, Daddy? Je n'ai pas dit ne vous conformez pas. Ah. J'ai dit conformez-vous. Yes. Quelqu'un est choqué. Quelqu'un a envie de dire non, je quitte le culte parce que l'homme de Dieu déforme. Amen. Amen. My God. Come on. Nous allons prendre un test biblique. Yes. Très rapidement. Vous allez comprendre ce que le texte voulait dire. Amen. Amen. Romains 13, verset 14.
Romains chapitre 13, verset 14. Amen. Parce que le Romains 12 nous dit ne vous conformez pas. Mais le chapitre suivant nous explique déjà ce qu'il voulait dire exactement. Oh my God. Yes. Romains chapitre 13, verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus. Et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Yes. Oh my God. N'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Vous allez comprendre ce que Paul voulait dire. Yes. Paul ne voulait pas dire soyez sales. Décompose, daddy. Non. Paul ne voulait pas dire soyez sales. Je peux te prêcher l'évangile? Yes. De Corinthiens 6, verset 14 à 17. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Amen. Continue. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Yes. Ou qu'y a-t-il en commun entre la lumière et les ténèbres? Amen. Amen. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Yes. Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen. Deutéronome 18, verset 9, 14. Et vous allez comprendre ce que Paul voulait dire, qui a été mal transcrit. Je n'aime pas l'apôtre Paul, parfois, parce qu'il est à la base de toute cette confusion doctrinale dans le monde. Si c'est à cause de Paul, aujourd'hui il y a des églises qui ne portent pas foulard et d'autres qui portent foulard. C'est vrai ou pas? C'est à cause de l'apôtre Paul qu'il y a des sœurs dans des églises qui ne se frisent pas les cheveux, qui ne se peignent pas bien. À cause de l'apôtre Paul, n'ayez pas soin du corps. Et à cause de cette manière d'avoir véhiculé le message, c'est comme qu'on dit, les Ivoiriens sont méchants. Vous savez, y a des Ivoiriens méchants, mais tous les Ivoiriens ne sont pas méchants. Comment? Donc, les Ivoiriens sont méchants, c'est mal communiqué. Les Ivoiriens ne sont pas méchants. Par exemple, on dit, BTM Palab. Moi, j'ai grandi au milieu des BT de Dalois. Donc, j'ai compris que c'est un peu bizarre. J'ai vu mon père, j'ai trouvé qu'il y a quelque chose qui cloche. Parce qu'on dit BTM Palab, mais le monsieur, il était ploco. Amen. Amen. Une maison envahie. Si tu entends les gens parler, c'est que les femmes. Lui, on n'entend jamais parler. Après, j'ai commencé à faire les vacances chez ses frères. Et j'ai vu qu'ils sont tous comme ça. Alléluia. Et Amen. Donc, quand j'entends BTM Palab, je me dis, mais ça vient d'où? Donc, effectivement, la manière de véhiculer un message, vous savez, peut stigmatiser une société. Et l'Église, vous comprenez, en n'ayant pas le sens de l'interprétation correcte, a créé un stigmate fort dans l'Église qui est la médiocrité excellente. Vous savez, les gens puissants ont peur de venir à l'Église. Les hommes d'excellence, les chefs d'entreprise trient les églises. Alléluia. Amen. Si vous voyez que les hommes riches, les hommes politiques préfèrent rester catholiques et ne pas venir à l'église évangélique, c'est pour ne pas être confrontés à des messages de médiocrité. Un jusqu'au boutiste, quelqu'un qui est dans l'excellence, n'aimerait pas se confronter ou être exposé à des prédications qui rabaissent l'intellect même d'une personne. Vérité. Come on. Lisons la parole de Dieu. Deutéronome 18, verset 9 à 14. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Même les hommes préhistoriques, là, regardez comment ils savaient de quoi Dieu parlait. Et vas-y. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Lorsque tu entres dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Tu n'apprendras pas à imiter les abominations. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce. Ne vous conformez pas au siècle présent, c'est quoi? Come on. C'est de ne pas imiter l'abomination. Amen. Mais les hommes de l'abomination ne sont pas des hommes médiocres. Ils ont quand même l'excellence. Vérité. On ne vous interdit pas de suivre
l'excellence. Yes. On vous interdit de vous conformer aux abominations. Acclame le Seigneur. Décompose, Daddy. Yes. Si l'homosexualité n'est pas bonne, elle n'est pas bonne. Bien qu'il ait écrit « Obéissez aux autorités », si les autorités créent des décrets pour dire qu'on légalise l'homosexualité et qu'on t'invite en tant qu'un homme de Dieu pour célébrer le mariage d'un homosexuel, c'est niet. C'est de ça qu'on parle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si pour réussir, et parce que ton église doit grandir, une voix te dit, tu dois sacrifier des fidèles qui doivent décéder pour réussir, c'est niet. Come on. Si on vient te voir pour dire que le succès de ta famille passe par un sacrifice humain, tu dis non, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est de ça qu'il s'agit. Yes. Et en disant n'ayez pas soin de votre corps, il ne parlait pas de la maltraitance physique. Il est écrit, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. C'était écrit déjà dans un ancien livre. Et ça a été cité dans le Nouveau Testament à nouveau. Mais comment ça a été dit dans l'Ancien Testament? Ésaïe, verset 53, verset 3. Ésaïe chapitre 53, verset 2. Vas-y rapidement. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Yes. Il n'avait ni beauté. Est-ce qu'il a dit il n'aura ni beauté? Il n'avait ni beauté. Est-ce qu'il a dit il n'aura ni beauté? Il n'avait ni beauté. Vous voyez, il explique une histoire. Et c'est un. Je parle ici sous le contrôle des professeurs en lettres. Vous savez, quand on compte une histoire, mais dans le sens d'un oracle, lorsqu'on parle de cette histoire, on le parle comme un récit déjà passé. Amen. Amen. Et dans cette technique-là, on va utiliser des formules, des verbes avec des formules au passé. On parle de quelqu'un qui arrive. Et le début dit qu'il est quoi? Il s'est levé devant lui comme une faible plante. On montre. Il s'est levé. Ici, c'est en quel temps? Au présent. Ok. Il s'est levé. C'est au passé, passé composé. Au passé. Amen. Amen. Et puis, après, on rentre maintenant dans l'imparfait. Il n'avait ni beauté, ni éclat. C'est bon? Et là, on est déjà dans le passé. Maintenant, dans le présent. Celui dont on parle, il arrive. Alléluia. Amen. Lorsqu'il arrive, il va se lever comme une faible plante parce qu'il va naître fils d'un charpentier. Il va naître dans une mangeoire où il y avait le bouvier d'un côté et ses bêtes d'ici, ici. Maintenant, dites-moi, est-ce que Jésus-Christ avait une beauté là? Est-ce qu'il avait un éclat ici? Il n'en avait pas au début. Et puis un jour, il est baptisé, le Saint-Esprit le conduit dans le désert. Quand il sort du désert, il se fait entourer de personnes. Amen. Amen. Il se fait entourer des gens bien du pays et il commence à avoir une cote de popularité. Vous savez ce qui me marque et ce qui attire mon attention? C'est que lui et ses disciples se ressemblaient. Donc ça veut dire qu'il était venu avec un concept. Mais la Bible me dit que Jésus-Christ portait ce jour-là, le jour de la Via de la Rosa, le chemin de la croix. Quand il a été capturé, que sa robe est restée entre les mains des soldats, la Bible dit que la tenue de Christ fut tiré au sort. Amen. Chez nous, quand un joueur de baseball, my God, est célèbre,
tout ce qu'il touche comme une balle. Quand ça tombe dans la foule, qu'est-ce que les gens font? Ils luttent la balle. Quand ils signent sur un papier, on appelle ça comment? Un autographe. Mais vous savez, les gens luttent sa balle, pas parce qu'il est beau physiquement comme ça, ou il est mignon, non. Mais parce qu'il brille. C'est pour ça que quand on dit qu'il n'avait ni beauté, ni quoi, éclat. En fait, cet adjectif-là, essaie d'expliquer de quelle beauté on parle. Amen. Ce n'est pas la beauté des traits physiques, un beau menton fendu, des yeux bleus. Non, 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 non. C'est ce qu'on appelle l'aura. Yes. Au début, il n'avait pas d'aura. Mais après, Jésus avait un aura. Comment? Mais en plus de l'aura, c'est phénoménal, il avait du style. Au yes. point que, maman, le narrateur marque une pause et dit que sa tunique d'un fin lin était sans couture. Vous voyez la précision. Oh my God, quelle élégance. Vous voyez, cet homme a marché 3 ans de son ministère avec des tenues remarquables. Vous savez, la manière de s'habiller, c'est une affaire d'accessoires et de détails. Quelqu'un peut, vous voyez, c'est comme Kadhafi. Kadhafi s'habillait comme les pauvres, c'est-à-dire il portait des boubous, il voulait leur ressembler. Mais en fait, le bazin de Kadhafi, c'était le bazin d'un président. Faites très attention. Si vous avez bien remarqué, remarquez très bien l'indigo coup d'état là, que les présidents portent en ce moment. Ce n'est pas l'indigo de tout le monde. Quand tu touches, c'est sûr que ce n'est pas ton indigo. C'est un président qui a porté. Au point qu'on remarque les détails. Bien aimé, le monde entier a remarqué la chemise. Jésus-Christ avait du style. Maintenant, écoutez-moi bien. La Bible dit qu'il n'avait. Ça veut dire qu'à un moment donné, il n'aurait plus cet aspect. Je répète. Il n'avait ni beauté. C'est le passé. On parlait de ses débuts. Mais à un moment donné, Jésus-Christ était devenu glorieux. Et il va devenir plus que glorieux. Quand il va mourir, ressuscité, renouvelé. La Bible dit que lorsque les gens couraient pour venir le toucher, il a dit, don't touch me. Il dit, ne me touche pas. Pourquoi? Oh mon, mais c'est un bluffeur. On ne l'attrape plus comme ça. Vous savez, je me souviens, avant même qu'il ne meure, il marchait. Et la Bible dit qu'il était entouré par ses gardes de corps. Disons-nous la vérité, les gardes de corps lui ont demandé, mais pourquoi est-ce que Seigneur tu dis, qui m'a touché pendant que nous sommes tous autour de toi? On te presse, on te protège. Quand cette femme dit, que si seulement je touche le pan de la robe, vous n'imaginez pas le protocole autour de Jésus. Pourquoi on voulait tuer Jésus? Parce que Jésus-Christ était devenu comme un homme politique qui dérangeait. Quand vous voyez Amin Dabi, vous le connaissez bien, le président tyran, dictateur de l'Ouganda. Vous le connaissez très bien. Vous voyez, ce dernier-là va tuer un homme de Dieu. Quand il tue l'homme de Dieu, ça ne dure pas, il quitte le pouvoir. Et il va en Arabie Saoudite où il va mourir mal. Mais pourquoi il tue un homme de Dieu? Parce que l'homme de Dieu était devenu populaire. Et tellement populaire qu'il était comme un homme politique. Il avait de l'influence dans le Zaïre. Il avait de l'influence dans plusieurs autres pays d'Afrique. Il avait de l'influence en Ouganda. Et quand il parlait, le peuple le suivait. Et Jésus-Christ était devenu puissant comme cet homme-là. Voilà pourquoi on devait le tuer. Et quand... Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Pilate a regardé Jésus, il a dit, c'est pas normal que les gens l'aient déshabillé. Et donc, qu'est-ce que Pilate fait? Il prend son manteau, rouge comme ça, de roi, et il fait porter à Jésus. Quand Jésus se retrouve à la croix, il est écrit dans une inscription juive, Jésus-Christ, roi des Juifs. Et Pilate ordonne à ce qu'on écrive en romain, Jésus, roi des Juifs.
Et les Grecs écrivent aussi Jésus, roi des Juifs. Il a été considéré comme roi. Et ça vient confirmer que au début, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Mais plus tard, son système de communication a changé. Le monde n'écoute pas quelqu'un qui n'a ni beauté ni éclat. Dans son organisation, il avait un comptable. Il avait du moins un économe, un trésorier. Qui était qui? Judas. Judas. Judas était quoi? Le trésorier. Mais il avait quelqu'un qui écrivait tout ce qu'il faisait. Vous savez, pour être puissant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui écrive tout ce que vous dites, tout ce que vous faites. Est-ce que j'en ai ici à la MRI? Quelqu'un qui est capable de tout écrire. Je suis épaté quand je tombe dans les cahiers de mon épouse. Elle écrit tout ce que je dis, tout ce que je fais. Elle écrit tout. Alléluia. Amen. J'ai quelqu'un, j'ai un écrivain. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui garde l'argent? On doit avoir quelqu'un qui garde l'argent. Est-ce qu'on est un médecin? Il faut qu'on ait un médecin. Yes. La Bible dit que lorsque Pierre voulait rentrer dans le palais pour voir ce qui se passait, le jugement de Jésus, il y a quelqu'un qui lui a ouvert la porte. Dans l'administration de Pilate, Jésus avait des gens. Le jour de la mort de Jésus, maman, il y a un autre cadre qui s'appelle Joseph d'Arimathée. Youssef a pris Jésus sur la croix. Pendant qu'il n'y avait personne, aucun membre de sa famille n'était là. Lui, il a décroché Jésus de la croix. Et le caveau qui lui était réservé, lui, Joseph, là, il a mis Jésus là-bas, dans une tombe de luxe. Le fils du pauvre va être enterré dignement. Mais regardez où je suis en train d'arriver, c'est pratiquement la conclusion. La Bible dit que lorsque Jésus-Christ va être enterré, la presse va être engagée par le politique. Ils vont payer les France 24, payer RFI. Les gens disent que c'était le fils de Dieu, mais vous dites que c'était un brigand, un Robin des Bois qui pillait pour donner l'argent aux pauvres. Ça ne lui donne pas le droit de voler le riche et de le donner aux pauvres. Mais il a été aussi dit qu'il va ressusciter le troisième jour. Mais que ce phénomène-là ne soit pas filmé et relayé par la presse. On ne veut voir aucun journaliste autour de la tombe. Puisque les journalistes savaient qu'il était dit que Jésus allait ressusciter, il fallait payer Facebook, il fallait payer la presse pour ne pas qu'on voit et qu'on soit témoin de la résurrection. Mais malgré que la presse a été payée, qu'est-ce qui va se passer? Les chaînes vont rester sur la tombe, bien scellées. Jésus-Christ est couché, il ressuscite, il enlève le linceul, il le plie, il s'arrête devant, derrière la pierre. Et comme une porte automatique d'un mall, d'un supermarché, la pierre roule, s'il vous plaît. On n'entend pas de bruit. Les chaînes se délient seules comme des serpents. Et Quelle élégance. Jésus-Christ est en train de sortir. Et il y a comme un somnifère, l'assoupissement qui envahit les soldats. Ils ont l'impression qu'ils rêvent, mais pourtant c'est la réalité. Jésus-Christ est en train de sortir du tombeau. Il est en train de sortir du tombeau. Et là, la Bible déclare qu'un ange, après avoir roulé la pierre, il s'assoit sur la pierre avec élégance. Et il regarde le maître Jésus qui sort. Malheureusement, il n'y a pas eu de caméra. Malheureusement, il n'y a pas eu la presse. Malheureusement, il n'y a que ceux, les soldats qui ont pu voir de façon approximative ce qui s'est passé.
Mais vous voyez ce genre de sommeil dans lequel nous voyons des choses, mais nous n'arrivons pas à nous lever. Nous n'arrivons pas, mais on est lourd. C'est comme l'extase. C'est ce qui s'est passé. Ce pourquoi il y a eu un témoignage, c'est parce qu'il y a eu des témoins. Mais ces témoins n'étaient pas puissants. Il n'y avait pas les organes puissants, comme la presse, pour relayer cette information. Et c'est resté comme un sectaire. Le fait, l'idée, ce qui a été suggéré de la résurrection de Jésus, vient de personnes non puissantes. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? L'État, le gouvernement va acheter la presse. Oh my God. Matthieu 28. Pour tuer cette annonce. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Le gouvernement va encore investir de l'argent pour payer les soldats afin qu'ils se taisent. Parce que bien qu'étant assoupis, les soldats ont pu constater le miracle. Ils étaient témoins de ce miracle. Le monde et le système du monde, les médias de ce monde ont été achetés pour communiquer sur l'essentiel de Satan et pour faire taire la résurrection de Jésus. Comment t'as dit? Matthieu 28, verset 12 à 13. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent. Alors les politiciens vont donner une forte somme d'argent. En disant, ils disent, dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober. C'est tout. Le rôle des médias, c'est d'être au service du politique. Comment? My God. Le rôle des médias, c'est de communiquer sur ce qu'on veut que l'humanité retienne. Come on, Daddy. Les médias ont réussi à nous faire dire que l'Afrique est maudite. C'est vrai. Parce que ce sont les Africains qui auraient dévoilé la nudité de Noé. C'est pas vrai. Le Seigneur a maudit qui? Cham. Non, il a maudit plutôt Cana. Mais une terre maudite, comment l'Éternel peut l'utiliser comme promesse pour une autre destinée? Il dit, je vous donne Cana, terre promise. Et il y a une chose que je voulais vous dire. Même si c'est vrai que Cana sera l'esclave au service d'autrui, mais nous voyons que plus tard, la descendance, dans la postérité de Noé, il y a eu des gens qui ont bâti des villes et autres. Et j'ai envie de vous dire quelque chose. L'Afrique ne peut plus être maudite. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans le système mystique que la malédiction s'étend jusqu'à la quatrième génération. Yes. Mais nous sommes la cent combien de millième génération. Pourquoi? Oh, mighty in the braid of law, braid of law. Comment est-ce que nous lisons la Bible? L'Afrique n'est pas maudite. La Bible dit que lorsque Jésus-Christ partait à la croix, il avait sur son épaule la croix. Pendant que Pierre, qui était juif, a fui, pendant que ses fils spirituels, dont certains étaient romains, ont fui pour aller se cacher, il y a un homme qui s'appelle Simon de Cyrène. Cyrène se trouve en Afrique, donc dans le cœur du Niger, qui s'étendait de l'Éthiopie actuelle jusqu'au subsaharien. Il était de Cyrène. La Bible dit qu'il revenait des champs. Oh, il est écrit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargé, je vous donnerai du repos. Mais Simon de Cyrène revenait des champs fatigué. Au lieu que Christ lui donne du repos, écoutez-moi bien, c'est lui qui donne du repos à Christ. L'Afrique a joué un rôle important. Quand Jésus-Christ a vu ça, il dit, il y a injustice. Oh, toi Afrique, qui devais se reposer, au lieu de trouver du repos au travers de moi, ce jour-là, tu as plutôt porté ma croix et supporté un tiers des fouets que je devais avoir sur le corps. Écoutez-moi très bien, l'erreur doit être corrigée. Marc 15, 21-22. Dieu va utiliser plutôt l'Afrique, si souvent, pour relever l'humanité. La Bible dit dans l'exil de Jésus, pendant qu'Hérode était en train de tuer tous les enfants de 0 à 2 ans, c'est l'Afrique qui a reçu Jésus-Christ pendant tout le temps d'exil. Nous avons reçu en premier Jésus-Christ avant de l'offrir à l'humanité. Yes, come on. Mais la presse a été prise
payé pour faire taire cette histoire. La presse a été payée pour faire taire ce genre de choses. Maintenant, je viens vous dire que aujourd'hui, la presse a été libéralisée. Ah. Chacun paye pour avoir son compte Facebook. Comment? Tu as ton téléphone, c'est tu vrai. As ton compte Facebook. Yes. Pourquoi est-ce que tu dois te priver de parler de Jésus? Question. Et les chrétiens ne vont pas à la télévision. Les chrétiens ne communiquent pas sur les réseaux sociaux. Ou du moins, même quand ils communiquent, ils ne communiquent pas excellemment. Comment? Un jour, j'ai convoqué mes fils et dit, arrêtez-moi tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Pas parce que le diable est là-bas. Mais n'allez pas donner raison au diable que nous sommes les derniers de la société. Et je veux saluer mon fils spirituel, le fils de mon fils spirituel, qui fait de l'excellence, il y a de l'évolution. Quand il travaille, c'est présidentiable. Mmh. Je veux qu'on prenne 60 secondes et qu'on acclame le prophète Stan. Yes. Alléluia. Come on, daddy. Quand je me promène sur les réseaux sociaux, ce n'est pas parce que c'est mon fils, mais je m'arrête et je m'arrête. Même si on n'entend pas ce qu'il dit, je m'arrête pour regarder l'excellence. Le décor est impeccable. Les lumières sont bien choisies. La tenue vestimentaire assortie avec les thèmes des écritures. Et ça, ça peut donner envie à un ministre, à un député de se confier en lui. Amen. Yes. Les hommes qui ont le sens de l'administration ne fréquentent pas, ne côtoient pas des gens qui ne sont pas administrables, qui n'ont pas d'administration en eux, qui n'ont pas de parole et même d'ailleurs qui ne sont pas ponctuels. Un pasteur ne doit pas être en retard. Les pasteurs n'aiment pas le retard. Comment? Ce siècle présent à un langage contraire à nos idéologies. Il y a un texte biblique, il y a un texte de ce monde que les biblistes dont les biblistes se sont accaparés. L'habit ne fait pas le moine. C'est dépassé ça. Dis amen. Amen. Les hommes qui se sont enrichis dans ce monde se sont servis de l'apparence du moine. Prenons le cas des politiciens. Alléluia. Amen. Pour qu'un banquier puisse prendre ton argent, il s'habille bien. Mais à l'église, c'est le lieu de la médiocrité. Les gens, ils sont comme ça. Quand on leur demande d'investir dans des choses d'excellence, ils disent que non, c'est quoi tout ça? Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Mais les gens du monde, qu'est-ce qu'ils font? Ils payent cher la communication. Ils payent les soldats. Dites que Jésus n'est pas ressuscité, que c'est plutôt ses fils qui sont venus l'enlever dans le tombeau. Ils investissent. Regardez aujourd'hui les enfants d'aujourd'hui qui sont dans la drogue, qui sont dans la chicha. Mais je vais vous dire que vous devez évoluer. Évoluons. Yes, daddy. Amen. Il y avait un dessin animé. Vous allez remarquer pourquoi les gens de la plupart des gens dans cette jeunesse sont un peu fous, un peu bêtes. Si vous entendez Caris qui dit chicha, qui parle de chicha dans la chanson, et que des enfants de, à l'époque quand ils chantaient, les enfants de 8 ans commençaient à chanter déjà la chanson de Caris où on parlait de chicha. Est-ce que c'est Caris qui parlait de chicha? C'est Booba? Non, c'est Caris, c'est Booba qui parle de chicha, 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 chicha. Amen. Amen. On retourne en 1986-87. La première apparition d'Alice au pays des merveilles se situe peut-être quelque part là. Je vais bien vérifier. Tu fais Wikipédia. Première apparition de choses, je ne sais pas. J'espère que je ne me trompe pas. Alors, dans Alice au pays des merveilles, c'est une jeune fille. Une jeune fille là, qui est sorcière, c'est la sorcellerie. Donc, elle est dans le monde physique ici. Ses parents croient qu'elle est là, elle va à l'école. Or, quand elle dort, elle est avec des gens bizarres. Elle se promène avec œufs, elle se promène avec des esprits.
Maintenant, parmi les sorciers dans son rêve, dans ses rêves là, que on appelait dessin animé, il y a une chenille qui est sur un champignon. Amen. Amen. Très bien. 1951. Et voilà, donc c'est un vieux dessin animé 1951, mais dans les années 80 ici en Afrique, on voit ce dessin animé. Maintenant, écoutez. La chenille bleue, si vous tapez tout de suite sur Google, vous tapez chenille bleue d'Alice au pays des merveilles, vous allez voir que la chenille là tire dans un tuyau et relâche de la fumée. Il fait même des cercles avec la fumée. Et puis, si Alice au pays des merveilles regarde la fumée là, elle plane. En fait, c'est la drogue là, quand il fait, tu es comme ça. Ce sont des métaphores mais qui travaillaient le subconscient. Et sache ce que je suis en train de vous faire. C'est de choses, comment on appelle ça? C'est de la haute psychanalyse. Parce qu'on a ce qu'on appelle dans notre mémoire, ce qu'on appelle dans notre cerveau, la mémoire épisodique. Et la mémoire épisodique, ce sont des tiroirs qui sont à l'intérieur de ce qu'on appelle notre subconscient. Donc c'est une intelligence qui est en pilote automatique dans notre conscience. Donc, il y a des sons que ton oreille n'entend pas, de petits sons, mais que ton subconscient entend. Et c'est un surdoué qui est dans la tête. Lui, il retient ça, il retient ça. Voilà pourquoi dans la plupart des films, il y a ce qu'on appelle le message subliminal. C'est un message subtil véhiculé pour imposer un système. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Un homme qui avait commencé à vendre du jus. Il vendait du jus. Il a commencé d'abord par le café. Il s'est essayé dans plein de choses. Donc c'était un autodidacte dans le, comment on appelle ça, ceux qui font l'agroalimentaire. Alors il crée la recette de Coca-Cola qui fait des faillites. Et puis après, il se lance dans l'ingénierie du son. Et après, il se retrouve à la télé. Et après, il s'innove dans le cinéma. Donc en réalité, son premier métier, c'était de vendre Coca-Cola. Mais bon, comme ça ne marchait pas, les études ont conduit le fondateur de Coca-Cola et il a appris quelque chose. Il voyait que la mode se véhiculait très facilement par le cinéma. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se perfectionne dans le cinéma et Coca-Cola va faire des publicités exagérées. Qui a remarqué que Coca-Cola avait les publicités les plus puissantes? C'est-à-dire, ça ressemble à des films pour s'imposer. Donc, il y a du sucre, il y a le diabète, Coca-Cola, ça ne fait que créer des cancers, tout ça. Mais il faut bien parler de Coca-Cola. Amen. Amen. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il crée des publicités, maintenant qu'on appelle la publicité subliminale. Donc, même quand tu vois Mickey qui est arrêté quelque part, il y a Coca-Cola derrière. Mais l'image passe à des millisecondes, ça passe vite. Je ne sais pas si on se comprend. Et donc, dans tous les films, ceux qui sont dans le cinéma, ils savent ce qu'on appelle le FS. Hein? Ce sont des images par seconde. Vous m'écoutez? Et nous avons une image d'une seconde qui est presque invisible dans un film. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si vous prenez une image, que vous le déposez en montage vidéo, que vous le réutilisez en jusqu'à une seconde, lorsque on fait play, on ne voit pas l'image. C'est ça ou pas? C'est vrai. Maintenant, il faut le mettre dans un ralenti très lent pour voir l'image. Et donc, qu'est-ce que Coca-Cola fait? La publicité coûte très cher. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il était d'abord au cinéma. Dans les montages vidéo, lui, il insérait Coca-Cola. Dans plusieurs films. Il est comme un bandit. Je ne sais pas si on se comprend. Pendant ton film, il met sa marque. Il y a plusieurs. Coca-Cola, il s'est infiltré. Même s'il faut payer des gens qui font les montages vidéo, mais une seconde, ça passe. Le film, comme on va vous dire, le Titanic, à l'époque du Titanic, peut-être le Coca-Cola n'existait pas. Mais dans le film Titanic, quand tu fais des arrêts sur image, tu vas te rendre compte qu'il y a Coca-Cola quelque part. Come on. Mais c'est le subconscient qui le retient. Et vous allez voir que la chenille bleue était en train de s'imposer à la génération 2000. Tous ceux qui ont regardé les films de la chenille bleue ont aujourd'hui 20 ans, 30 ans. Tous ceux qui ont regardé Alice au pays des merveilles. Et les plus grands fumeurs de la chicha sont les jeunes plutôt que les vieux.
Dites amen. Amen. Mais maintenant, comment les vieux d'un certain âge, eux, ils ont été impactés par leur cigarette de l'époque? Il y avait Popoy. Popoy est venu dans les années de la guerre mondiale et Popoy fumait la pipe. Donc ça faisait que tous les gens qui ont grandi après Popoy fumaient la pipe. Et après, il y a eu Picsou qui fumait le cigare. Et tu vas voir que tous les vieux de 45 ans là, qui aimaient Picsou, ils fument le cigare. Maintenant, nous, on ne fume pas le cigare. Maintenant, c'est quoi? La chicha. Nous sommes la génération Alice au pays des merveilles. Come on. Le pouvoir de l'image. Alors, ce qui m'énerve, c'est quand souvent je descends au niveau du groupe des médias. Je leur dis, placez les caméras comme ça. Ils ne comprennent pas quel est le rapport avec l'évangile. Je suis très dur. C'est pourquoi de chez moi est sorti les meilleurs photographes de Côte d'Ivoire. Amen. Non, 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 ne jouez pas. Ebenezer, Fieni savent très bien que même quand ils sont forts comme ils le sont, ils ne le sont pas par leur simple talent. Fieni était en train de prendre la route pour aller travailler. Quand je lui ai dit, laisse-moi ça, viens prendre les appareils photo. Ils ont tous commencé avec mes appareils photo. Mais je suis derrière eux. Je leur dis, travaillez comme ça. Travaillez comme ça. Travaillez comme ça. La photographie, vous avez le talent, mais ayez l'imagination. Mais ce qui m'énerve quand je m'assois à la télévision et que je veux regarder l'une des seules chaînes, unique chaîne de chrétiens de la Côte d'Ivoire, j'ai mal au cœur. Les clips, les gens osent prendre leur téléphone pour faire des clips. Ils filment. Ils filment. Ils filment. Et c'est pas beau. Maintenant, regardez la jeunesse d'aujourd'hui. Nous avons l'une des marques de boissons que les enfants aiment dans les écoles qu'on appelle Codis. Vodis. Mais Vodis là, c'est les images. Dans un clip, il y a Vodis. Et aujourd'hui, pendant qu'ils sont en train de sanctionner le pauvre journaliste qui a essayé médiocrement de parler, de sensibiliser sur le viol, pendant que toute la presse acharne. Mais qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai vu dans les rues une publicité d'une bière. On parle de l'héritage. Une petite fille qui n'a pas encore 18 ans, avec une bière, avec un vieux qui en a de 80 ans. La bière, elle est interdite aux mineurs. On ne peut pas utiliser des mineurs pour faire de la publicité de la bière. Come on. On rentre dans Facebook. On voit des enfants qui font des vidéos. Je m'excuse, mais il y a un enfant, je crois que maintenant il doit avoir peut-être 18 ans. Mais au moment où il commençait, je ne pense pas qu'il avait même 18 ans. Et on s'en fout même s'il a 20 ans. Le sponsor qu'il a sollicité, il s'appelle... c'est un enfant noir comme ça, il s'appelle... Seigneur, donne-moi son nom pour que je suis en train de faire papato pour que l'État l'attrape. Il est même sur les publicités de bière là. Il fait des montages vidéo avec quelqu'un qui a une ceinture toujours qui tente de le frapper. Yves quelque chose. Oui, c'est un enfant. Mais il est le sponsor d'une marque de bière. Mais c'est depuis là qu'on devait commencer les sanctions. C'est là qu'on doit sanctionner. C'est quand on a commencé à voir Ramba Junior en train de faire des prestations chez les grandes personnes dans les boîtes de nuit. C'est là-bas, c'est pas Yves de Mela. C'est là-bas que tout devait commencer. Maintenant, moi, ce n'est pas grave. Le monde leur appartient, qu'ils fassent ce qu'ils veulent de leur vie. Mais moi, je parle de vous, les chrétiens. Pendant que les gens utilisent l'image, je ris. Ils utilisent des très beaux clips pour gagner la jeunesse. Vous, vous faites quoi? Question. Vous êtes parfois dans l'obscurité avec vos téléphones. Vous faites des directs, tout est sombre. À chaque fois que vous faites, on dit... Le son, ça crache. Oh, tout le temps, c'est à l'église. C'est chez nous seulement. Le son crache. Le son bave tout le temps. C'est nos sons qui ont toujours craché. Écoutez-moi bien. Ça doit changer. Amen. Ne vous conformez pas au cercle présent en imitant l'abomination, mais regardez et observez leur intelligence. Yes. Et revoyez votre conduite. C'était ça mon message de ce dimanche. Alléluia. C'était ce que je venais vous dire aujourd'hui. Soyons excellents.
Ceux qui n'aiment pas l'excellence quittent toujours l'église parce qu'ils disent que l'homme de Dieu est dur. Yes. Les gens qui n'aiment pas l'excellence se frustrent vite. L'ordre. L'ordre aime la rigueur. Dites amen. Amen. J'ai une vidéo, quelqu'un a réveillé ça ces temps-ci. La vidéo a été postée en 2014, mais c'est une vidéo plus vieille que 2014. À l'époque, on n'avait pas l'occasion de poster des choses. Donc, quand on a retrouvé la vidéo, on l'a postée en 2014. Mais cette vidéo est plus vieille, c'est ça, non? Que 2014. Regardez comment je suis habillé. Je suis habillé en cardigan. Regardez très bien, ça ne ressemble même pas à une tenue de mon époque. J'étais dans le futur. Non, j'étais dans le futur. Souvent, quand je dis non, j'étais éprouvé, c'était dur chez moi, je n'avais ni lieu pour dormir. Malgré que je n'avais ni lieu pour dormir, quand je sors, tu peux me demander 500 000 francs. Ça, je tiens ça de mes parents spirituels. Même si tu prêches dans une salle de classe, habille-toi excellemment. Yes. Tu peux perdre des opportunités parce que tu ne t'habilles pas bien. C'est vrai. Il y a un monsieur qui m'a dit, papa, je ne sais pas, mais les femmes ne m'aiment pas. Mais je dis, tu n'es pas beau. Rends-toi beau. Tu as l'argent, mais tu n'es pas beau. Il y a des femmes qui veulent en plus de l'argent. Surtout les femmes que tu veux, ce sont des femmes intègres. Fais-toi beau. Fais-toi beau. Tu t'habilles comme si tu étais un agent, les anciens agents de la Sotra. Hein, non, ce n'est pas normal. Habille-toi correctement. Si tu aimes les saériennes, je suis en saérienne, je suis en ablacos, ou bien, tu peux le porter bien. Tu n'es pas obligé de faire. Quand ton père il portait ça, là, c'était son temps, c'était bon. Mais même si tu ressembles à ton père, toi, adapte ça à ton temps. Come on. Suivez mon regard. L'image extérieure, elle est très excellente. Je suis en train de prier. J'ai fini. Yes. Aujourd'hui, les Arabes ont envoyé du faux Coca-Cola. Ça a augmenté le taux d'AVC dans le monde. Faites attention au Coca-Cola. Dieu m'a révélé que les Coca-Cola que vous voyez là sont à la base de plusieurs césariennes et de Coca-Cola. Les femmes, voyez-vous, vos enfants, 4 kilos dans le ventre, 8 mois. On est obligé de vous ouvrir le ventre. Ce sont les Coca-Cola, les jus que vous buvez à 125 francs. Quelque chose même qui coûte 125 francs, la bouteille de jus qui coûte 125 francs, évitez ça. Comment, daddy? La dernière fois, je suis venu à un agapé, j'ai vu ça plein comme ça à la table. J'ai appelé mes filles, ne distribuez plus ça aux fidèles. Le coca, 125 francs déjà est dangereux. J'ai bu du Coca-Cola en France, mais j'ai goûté le Coca-Cola, j'ai dit waouh, on est en France vraiment? Ça, c'est là-bas le Coca-Cola. Et quand tu bois ça, ça te fait passer par les narines. Ça te tourne la tête. Un Coca-Cola, tu bois. Nos ventes sont gros ici. On est obligé de nous vendre les gaines. Mais pourquoi vous achetez? C'est parce qu'ils travaillent l'extérieur de la bouteille. Dites amen bien fort. Amen. Aujourd'hui, quand vous regardez la grande marque McDo, vous regardez KFC, quand vous regardez KFC, quand vous regardez Burger King. Mais Burger King, il est démontré que Burger King, McDo, tout ça sont à la base de l'obésité dans le monde, du taux d'obésité dans le monde. Mais pourquoi vous continuez à acheter? Parce qu'ils vous vendent de très belles publicités. Bien aimé, tu peux être un faux prophète, tu communiques bien sur toi, tu auras du monde. C'est pour ça que je dis que l'onction et la crédibilité d'un homme de Dieu, pour moi, n'est pas jugée en fonction de la chose. L'applaudimètre et de l'audimate. Ce n'est pas parce qu'il y a du monde qui acclame une prédication que la prédication est de Dieu. Et c'est pour ça que les gens ne m'avaient pas compris une année quand j'ai parlé de quel est ce message de la sanctification qui n'est pas d'actualité. Un message de la sanctification que les gens de mauvaise vie écoutent et puis ils disent c'est mon pasteur préféré. Moi, si je prêche la sanctification, les gens ne doivent plus m'aimer. Come on. Comment tu prêches le message de la sanctification et puis les païens disent tu es le prédicateur préféré? On ne prêche pas la sanctification et on est l'ami du peuple. Mon Dieu, agis, tu es puissant en moi,
en moi. Tu es vivant, mon Dieu. Agis. Oh, tu es puissant. Comment? En moi. Tu es vivant. Vous voyez, habillez-vous correctement. Ça vous vend mieux. Surtout que vous êtes déjà bon. Si tu veux, ton lait n'a qu'à être le meilleur lait du monde. Mais tu le vendras moins cher tant que tu ne le mets pas dans une bonne boîte et dans un bon emballage. Vos camarades là, pourquoi elles aiment aller prendre photo à côté des voitures de luxe? Pourquoi elles cherchent à prendre photo avec des hommes élevés? Parce qu'elles savent que si tu associes ton image à l'excellence, tu es vu comme l'excellent. Yes. C'est quand Johnny Lafleur est tombé malade qu'on a su que la télé est une bonne chose. On a tous cru que c'était un riche, ses chemises bien fleuries de Bora Bora, de California, les chemises d'Hawaï. Quand vous le voyez dedans, vous dites ouais, mais il était quelque part là-bas. Ça lui ouvrait des portes. Quand Louga François est décédé, qu'on l'a enterré, c'est là qu'on a vu que communiquer vend l'homme. Facebook vous fait envier des gens qui font plus pitié que vous dans la vie réelle. Come on. À cause de Facebook, des gens sont en train de. Les hommes de Dieu vendent leur âme. Alléluia. Amen. Seigneur Dieu, tu les vois, ils sont nombreux. Nombreux. Agis. Tu es puissant. Seigneur Dieu, tu les vois, ils sont nombreux contre moi. Agis. Tu es puissant. Seigneur Dieu, tu les vois, ils sont nombreux. Agis. Tu es puissant. Seigneur Dieu, tu les vois, ils sont nombreux. Na 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 na. Agis, tu es puissant. Mon Dieu, agis. Oh, j'ai la chair de poule. Tu es puissant en moi. Tu es vivant. Mon Dieu, agis. Na 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 na. Dans les rues, et puis il y avait un embouteillage. Il y a un monsieur qui est sorti et il était en train de demander aux gens de pousser. Personne ne le respectait. En tout cas, il poussait les gens. Personne ne le respectait. Il disait, moi, je vais s'arrêter. À un moment donné, il était fâché. Il a fait sortir son arme. Les gens ont commencé à. C'est-à-dire, personne ne voulait bouger. Mais quand il dit, venez, tu attends. Ça allait être très simple s'il avait son uniforme. Vrai ou faux? Ouais. Tu es en civil, tu ne peux pas influencer la société. Comment? Vous allez voir qu'il y a une prédication de médiocrité. Vous les voyez dans des robes, les hommes de Dieu de maintenant, ils s'habillent dans des robes. Tout ça, c'est quoi ça? Je vous dis une chose. Depuis l'Ancien Testament, quand Dieu décide de commencer son affaire d'Alléluia sur terre, il dit que Aaron s'habille comme ça. Et ses fils doivent s'habiller en bleu. Leur caleçon, ça doit être cousu. À l'église, les caleçons aussi doivent être bleus et il existe le tissu que ça doit être en lin. Yes. Un jour porter le lin comme caleçon, vous allez voir comment ça fait souffrir la peau jusqu'au caleçon. Dieu dit soyez en uniforme. Si vous êtes des fils de cette église que vous voyez sur les réseaux sociaux, regardez-les comment ils s'habillent, ils aiment faire des trucs, on dirait, ne les écoutez pas. Amen. J'ai écouté ça, c'est pour ça que vous ne m'avez pas vite connu. J'ai écouté la médiocrité, c'est pour ça que la MRI est en retard. J'ai écouté, pendant que j'étais un homme d'excellence, on m'a détruit avec des évangiles médiocres. Mm. Je plains des chrétiens à qui on dit ne vous frisez pas. Je dis, oh my God, ne rasez pas les aisselles. Je plains des églises comme ça. Que Dieu les enlève, ces pasteurs-là, que Dieu les tue. Parce que c'est méchant.
Alléluia. Amen. Elle ne lave pas les cheveux. C'est dérangeant. Et je vous invite à aller regarder mes vidéos des années. Je ne sais pas combien. Il y a une dame comme ça. Elle se plaignait que son mari, il y avait des palabres là. Mais son mari, en fait, lui a toujours dit que j'aime pas. C'était la religion qui l'avait rendu comme ça. Bizarre. Il a connu sa femme, une belle femme. Une belle, belle femme. Mais parce qu'elle est devenue chrétienne, elle est saprabandaba. Bien-aimé, est-ce que Jésus a parlé comme ça? Ne vous conformez pas au siècle présent là. Ce n'est pas ce que Jésus a dit. Ils sont nombreux à prêcher ça et ça détruit le monde. S'il vous plaît, est-ce que quelqu'un a compris mon message d'aujourd'hui? Amen. L'Esprit de Dieu parle aux églises. Rentrons dans l'excellence de par l'ordre. L'uniforme crée l'ordre. Normalement, quand on rentre dans une église, c'est ce qui a été la puissance du baptiste œuvre et mission. Ce n'est pas les révélations, ce n'est pas les prophéties. C'est l'ordre. Lorsque vous partez à une siamelle, regardez même dans les églises, même les églises locales, vous allez remarquer l'uniforme, le groupe département d'accueil, des services d'ordre. Elle s'habille, le haut est rouge, la jupe. C'est de l'excellence. L'uniforme. Déjà aimer l'uniforme. Un dimanche, que les corps qui sont de service soient en uniforme. C'est important. Yes. Le culte même doit être excellent par l'ordre. Regardez, quand le président de la République doit arriver, il y a déjà des policiers qui sont là des heures avant. Mais qu'est-ce qui se passe en administration ecclésiastique? Si on dit le culte commence à 7 heures, le service est là à 7 heures, ils sont à l'heure. Non, c'est vous vrai. Ne devez pas être à l'heure. Vous devez être là avant l'heure. Amen. Laissez le peuple venir à l'heure. Vous venez avant l'heure. Quand vous êtes là, Dieu peut venir. Dieu aime l'ordre. Et c'est pour cela que vous allez voir à l'église. C'est quand tout le monde est là que le dirigeant dit, nous allons inviter maintenant le Saint-Esprit. C'est lui seul qui a raison. C'est-à-dire que depuis que vous étiez là, le Saint-Esprit n'était pas là. C'est après. Parce que effectivement, le Saint-Esprit ne peut pas venir avant tout le monde. Dieu, il veut qu'il y ait un système excellent pour l'accueillir. C'est aujourd'hui, je vois qu'il a raison. Come on. Donc, les gens, ils ne viennent pas à l'église. Dieu est là, il les attend. C'est maintenant que je vois que c'est normal qu'on dise, nous allons prier maintenant que le Saint-Esprit vienne. Le Saint-Esprit vient parmi nous. C'est ça. C'est là que je comprends maintenant. Que Dieu permette que nous soyons ordonnés. Alléluia. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est au. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Alléluia. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est où? Il est parmi nous. Il est où? Parmi nous. Alléluia. La gloire de Dieu est descendue. Elle est où? Elle est descendue. Elle est descendue. Elle est. La gloire descendue. De Dieu est descendue. Alléluia. On avait dit que je n'allais jamais évoluer. Que je n'aurais jamais du boulot. Que je n'allais jamais voyager dans la vie. Pourtant c'est faux. Comment? Mon Dieu m'a créé pour régner. Je suis né pour régner. Je suis né pour régner. Cette année, c'est mon tour de régner. C'est mon tour de régner. Jésus, oh, c'est mon tour de régner. C'est mon tour de régner. C'est mon tour de régner. Jésus, oh, c'est mon tour de régner. Oh, c'est mon tour de régner. C'est mon tour de régner.
Jésus, oh, c'est mon tour de régner. My bread, the flow. Merci Seigneur pour ce culte que nous avons passé en ta présence. Dis avec moi, c'est moi. C'est moi. Qui enlèverai la honte de ma famille. Qui enlèverai la honte de ma famille. Dis amen bien fort. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Come on. Yes. Tu peux t'asseoir royalement. Je vous invite ce mardi à 7h du matin. Nous avons évangélisation en face du CHU, au niveau de la route barrée de l'autre côté, sur le goudron, là où la voie est fermée. C'est un programme qui implique toute l'église, mais qui est tenu par les hommes de Dieu. Nous aurons le frère Josué 110 qui va jouer à la guitare. Vous savez, ça, j'ai eu l'inspiration quand j'étais aux États-Unis. Et le jour que j'ai pris le métro, pour la première fois d'ailleurs, je suis arrivé au métro. Dès que je sortais du tunnel, il y a un homme qui jouait à la guitare. Il captivait tout le monde. Et ceux qui patientaient le temps que l'autre train arrive écoutaient ce monsieur en train de chanter des musiques du monde, la world music. Je me suis dit, ben, avec une seule guitare, un amplificateur, il captivait. Donc moi-même j'étais là, j'écoutais, c'était vraiment bien. Et il avait un panier et les passants faisaient une offrande. Amen. Alors Josué va jouer. On va mettre son sac de guitare et les gens vont donner. Ok? Amen. C'est de la mendicité? Non. C'est pour amener le monde entier à être béni. Amen. Donc, on va mettre un panier là. Et puis, les gens, quand ils passent, ils doivent donner. Donc, ils doivent chanter. Josué doit chanter pendant le temps. Il m'a même dit que ses amis peuvent l'aider. Est-ce que ses amis? J'ai dit oui, chanter. Chanter dans la rue seulement. Et les hommes de Dieu qui ont été consacrés, il y en a 12 pasteurs. 4 prophètes, plus, sans compter ceux qui avaient été déjà consacrés avant. C'est maintenant l'heure de travailler. Donc on va faire une heure d'honneur très bien organisée avec nos uniformes et distribuer des affiches pour indiquer le lieu de l'église. Qui est d'accord avec ce programme? Amen. Alors le programme aura lieu du 14 au 18, à 7h, nous finissons à 8h. Donc c'est une heure de temps de programme. Pas d'heure africaine. Nous avons demandé une permission à la mairie. Si nous sommes là après 9h, on enfreint la loi. Et le soir, c'est de 16h à 18h. Vraiment, je vous dis la vérité, ne tentez même pas Dieu. Tu viens à 8h, tu vas nous trouver. Nous sommes en train d'aller à la maison. C'est un programme, comme les jeunes le disent, chap-chap. 7h, il joue son répertoire, on quitte là. Amen. On ne tue pas dans rêve. On n'a pas besoin de 3 heures de temps pour gagner les âmes à Jésus. Donc, c'est là. Ce n'est pas aussi une évangélisation. Vous allez entendre des frères crier, Jésus revient bientôt. On crie ici, Jésus, puis revient bientôt à l'autre carrefour. Non, 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 non. C'est vraiment très, très intelligent, cette évangélisation. On évangélise pour que les gens nous entendent, pas pour qu'ils nous voient parler. On peut acclamer le Seigneur. Donc, come on. On va distribuer des affiches. Il y aura du corps à corps. Nous avons beaucoup de prophètes. Vous allez voir des paroles de connaissance dans les rues. Tu prends une personne, tu lui dis, voilà, je sens une chose, tu as telle maladie, papa, papa, papa. En tout cas, après ce temps-là, vous allez voir des gens. Et on va le répéter comme ça, hein, de façon bimensuelle. Que Dieu soit béni. Amen. Donc ça, c'est le programme majeur. Nous n'en aurons pas pour l'instant à l'église, mais bientôt, il est préparé ce qu'on appelle le salon du prophétique. Donc c'est tous les soirs. Nous, on ne va pas du culte du soir, mais tous les soirs, il y aura un salon du prophétique, un secret, une prière et des chaises alignées où les prophètes auront l'occasion de parler nuitamment avec qui le veut. On a beaucoup d'hommes de Dieu ici à qui Dieu parle. Amen. Amen. Tout récemment, vous étiez là quand une dame a rendu témoignage. Elle n'a pas dit papa, daddy. Alléluia. Amen. Voilà, souvent dans les témoignages, vous entendrez pasteur CK prier pour moi. Donc je ne suis pas le centre. Il y a plusieurs hommes de Dieu que Dieu utilise ici à la MRI. Si vous ne me trouvez pas, vous allez les trouver ici les soirs. Alors, donc, nous allons commencer ça juste après le camp d'évangélisation de
de 5 jours. Et après, nous reprenons les cultes du soir qu'on appelle Salon du prophétique, une plaque tournante où tous les hommes de Dieu vont si souvent prendre la parole de Dieu. Et à la fin du mois, donc du moins dans le début du mois de novembre, nous aurons des affectations. J'annonce déjà les ouvertures de toutes les églises dormantes en France. Et nous allons faire réveiller une église à Yamoussoukro et aller réveiller, comment on appelle ça, Oumé. Donc nous allons aussi attaquer les quartiers. Donc vous allez bientôt dire au revoir à la plupart des pasteurs que vous voyez entassés ici autour de moi. Bientôt vous n'allez plus les voir parce que pendant que nous prions ici, d'autres seront en train de prier ailleurs. Que Dieu soit béni. Alors le culte est terminé. Est-ce qu'il y a une nouvelle personne? Amen. Les nouvelles personnes vont se tenir debout. On va acclamer le Seigneur. Alors, juste après les nouvelles personnes, nous allons passer à la dernière. Juste après eux, on va passer à la dernière offrande. Et nous allons aussi faire nos dîmes. Et avant qu'on leur demande nouvelles, j'espère que tout le monde est venu avec sa promesse du 10. Aujourd'hui est le 11, non? Aujourd'hui est le 12. Aujourd'hui est le 12. D'accord, donc on a 2 jours. Si tu es déjà venu avec ton offrande, une partie de ton offrande, si tu n'as pas pu, tu seras obligé de venir chuchoter à l'oreille pour dire quand est-ce que tu penses faire. Mais accomplissez vos vœux, s'il vous plaît. Amen. Les nouvelles personnes seront présentées. On y va. Bonjour à tous. Je suis Jacques Lemandier. Je suis. Professeur Stan, viens continuer. Je suis l'ami au petit d'ici là. J'habite juste. Ah, ok, wow. C'est lui qui m'a invité. André. Bonjour, présentez-vous. Moi, c'est Zahuil Ouvalo-Siano. D'accord, vous avez été invité par YouTube. YouTube, bonne arrivée. Merci. Merci. Bonjour, bonne arrivée. Merci. Comment vous appelez? Je m'appelle Kwame Hervé. Kwame Hervé, vous avez été invité par? Comme je n'habite pas loin d'ici. Ah d'accord, vous êtes du quartier? Oui, je suis du quartier. Bonne arrivée. Merci. Vous êtes chez vous. Merci. Bonjour maman, toute bien habillée. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer pour elle? Amen. Maman, je suis Maman Kra. D'accord, maman? Maman Kra. Maman Kra. Je suis... D'accord. Une fille de papa depuis 2015. D'accord. À Cocodissiac. Ok. Mbadon plutôt. Ok. Donc okay. On parle lui. Mon fils aussi est pasteur évangéliste. Amen. Enoch. D'accord. Ok. Donc de Bondoukou. Son équipe est venue de Bondoukou avec lui. Oui. Et comme moi, je suis à Bergerville. Ok. On a appelé papa hier. Et il nous a indiqué, nous sommes venus vous saluer. Amen. Merci beaucoup d'être venu. Aussi à l'évangéliste Enoch, merci pour toute cette délégation. Moi, c'est Nyago Ange Kyo. Nyago Ange Kyo. C'est quoi, c'est Yakuba? Je suis de Ouragayo. Ah, c'est BT. Voilà. D'accord, ça c'est ça, hein. Vous êtes de Ouragayo. D'accord. J'ai été invité par le frère que voici. D'accord, d'accord. Merci d'être venu. Merci. Bonjour ma soeur. Bonjour. Alors, dites-moi comment vous appelez. Je suis mademoiselle Kabe Myriam. D'accord. Vous avez été invitée par? Non, pas invitée, je viens faire le culte. Vous avez fait le culte. Vous êtes du quartier? Je suis en bas là-bas. D'accord. Bonne arrivée. Merci. Vous êtes chez vous à la maison. Bonjour frère. Bonjour. Alors dites-nous comment vous appelez. Moi c'est Chris Yannick Djedje. D'accord, vous avez été invité par? J'ai pas été invité par quelqu'un. D'accord, dites-nous. Vous êtes venu? Faire le culte. Faire le culte. Dieu vous bénisse. Bonjour ma soeur. Bonjour. Comment vous appelez? Je m'appelle Niaoré Marie. Niaoré. D'accord, on sait. Tu es la cousine du tonton là. Alors dites-nous, vous avez été invité par qui? Non, j'ai pas été invité. Donc vous êtes venu de vous-même? Dieu merci. Vous habitez quel quartier, dites-nous? Je viens de Kumasi. Kumasi. Bonne arrivée. Merci. Vous venez de très loin. Bonjour ma soeur, comment vous appelez? Je m'appelle Adjoa Juliette. Adjoa? Juliette. Juliette.
D'accord. Bonne arrivée. Merci. Vous venez de quel quartier? Vous habitez quelque part ici? D'accord, d'accord. Bonne arrivée. Merci. Merci d'être venu. Bonjour maman, présentez-vous. Bonjour. Moi, je suis madame Ekonza. D'accord. Née Abbé. D'accord. Je suis à Yamoussoukro. Ok. Comptez la chance de vous. Ça fait la troisième fois que je suis là. Ah, bonne arrivée. Vous êtes en famille. Bonjour à tous. Bonjour. C'est Boris Adombi. D'accord. Voilà, j'ai été invité par ma soeur. Voilà. D'accord. Laquelle soeur? Bon, elle fréquente l'église, mais elle n'est pas là ce matin. D'accord. Voilà. Okay. Oui, j'habite à Bessicois ici. Quand okay. Il vient ici, bon, il vient pas l'écrit ici. D'accord. Merci d'être venu ce dimanche. Bonjour mon frère. Bonjour. Dites-nous comment vous appelez. Je m'appelle Nguessan Kwaku Philbert. Nguessan Kwaku Philbert. Ça c'est un vrai baoulé. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Alors, qui vous a invité ce matin? Pasteur Touba. Nguessan Kwaku, les deux collés là. On sait que c'est ça. Vous avez été invité par qui? Par le pasteur Thomas. Par le pasteur Thomas. Alors, vous habitez où? J'habite à Benjerville. À Benjerville. Merci d'être venu, cher frère. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, comment vous appelez? Je m'appelle Kwame Kounamarus. Pardonnez? Kwame Kounamarus. Kwame quoi? Kwame Kounamarus. Ça, c'est un vrai baoulé aussi. Est-ce qu'on peut acclamer pour les baoulés ce matin? On a entendu derrière là-bas, Adjoa, il y a quoi, Nguessan, d'accord, les baoulés, vous êtes bénis. Alors, vous avez été invité par qui? Je suis invité par mon grand frère. Votre grand frère? D'accord, lui aussi c'est un baoulé, non? C'est un baoulé. D'accord. D'accord. Merci d'être venu. Que Dieu vous bénisse. La dernière personne. Bonjour frère. Bonjour. Comment vous appelez? Avitché Jean-Daniel. Avé? Avitché Jean-Daniel. Avitché. Ça, c'est les gens de Jacquesville, Grand Laou. C'est ça, non? C'est ça? C'est vous, les Avicii, là. Ça veut dire petit avis. C'est ça, non? Est-ce qu'on peut acclamer pour les gens du Grand Pont? Vous avez été invité par qui? Personne. Vous êtes venu de vous-même. Alors, bienvenue. Vous êtes à la terre de l'exaucement. Merci d'être venu. Alors, on va demander à toutes les nouvelles personnes de se tenir debout. Et on va faire, on va les recevoir en les ovationnant et puis on va permettre au groupe musical de les recevoir musicalement parlant. Yes. À toi, Père, la vie de ce qui te dit distrait. À toi, Père, la vie de ce qui te dit. À la terre de l'exaucement, tu as frappé à la bonne porte. Ici c'est le terminus, on va se montrer les choses. Come on. À quoi bas t'as dit de ce qui te dit Nisraël. À la terre de l'exaucement, tu as frappé à la bonne porte. Ici c'est le terminus, on va se montrer les choses. Come on. Alors c'est une chanson pour vous dire bonne arrivée à Kwaba Nisre pour les BT. Et merci d'être venu. Alors cette église est dirigée par un visionnaire, notre père spirituel, le révérend Doski Jaurès Yoro, qui nous a nourris ce matin. J'aimerais qu'on puisse acclamer Dieu pour sa vie. Et nous disons merci et bonne arrivée à toutes ces nouvelles personnes. Vous êtes chez vous, ici c'est votre maison. Ok, vous allez rester debout s'il vous plaît. J'ai prié pour vous, les nouvelles personnes. Seigneur, merci. Merci pour leur vie, merci pour leur arrivée. Donne-leur ce que le cœur cherche. Leur cœur cherche au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons bientôt passer aux offrandes. Ça va? Tu es béni. Vous pouvez vous asseoir. Tu peux te lever. Est-ce qu'elle a été invitée par qui? Elle est venue d'elle-même. Ça va? Est-ce que tu continues à travailler? Ouais. Hein? Oui, je suis en formation. Tu es en formation maintenant? Oui. D'accord. Tu vas sortir quoi? Sage-femme. Tu vas sortir sage-femme. Amen. Amen.
Je vois Yannick et je vois Michel. C'est qui? Michel, je vois, c'est un nom féminin. Ma mère et mon frère. Oh. Et hey, come on, daddy. Come on. Commandant des drones. Je vois que quand tu es venu ici, tu as transporté sur toi le sujet de prière de ton frère et de ta mère. Parce que toi, tu as très, très galéré. Et de justesse, Dieu a fait grâce. Tu es en train de faire cette formation. Ce n'est pas quelque chose que tu voulais faire. Mais tu as fait ça vraiment pour pouvoir t'en sortir. Oui. Tu travailles dans un petit coin qui est représenté aussi au Togo. Avant de faire les histoires de sages-femmes, tout ça, un petit coin. Je suis comme aux deux plateaux vallons. Oui, il est dit en Côte d'Ivoire. Yeah! Come on, daddy. C'est bien là-bas, c'est bien au vallon. C'est vers. Tu connais aux deux plateaux, c'est quelque part là-bas. C'est plutôt aux deux plateaux. Au vallon, aux deux plateaux. D'accord. Et il y a longtemps que tu. C'était ce que tu te faisais te débrouiller avant de faire ce que tu es en train de faire maintenant. Je dis que ce que tu es en train de faire maintenant, ta formation, ce que tu faisais avant et tu priais Dieu, mais sinon toi-même, voilà ce que tu voulais. Tu voulais voyager, c'est comme on t'avait promis d'aller par le Togo, faire quelque chose et partir. Maintenant là, tu es en train de travailler, tu te débrouilles. Tu es venu avec le sujet de prière ici dans cette église. Tu as dit, bon, il faut que je vienne. Mais le Saint-Esprit t'attendait. Amen. Amen. Souvent, quand vous vous levez, vous ne savez pas que vous avez donné rendez-vous au Saint-Esprit. Amen, Daddy. Tu m'as compris? Je vois ton grand frère, je le vois là, je vois ta mère. Et le Seigneur me dit au travers de toi de prier pour eux. Amen. Pour que les blocages là s'arrêtent. Parce qu'il y a quelqu'un qui a parlé. Qui a parlé. Et qui a parlé contre les entrailles de ta mère pour ne pas que vous soyez heureux. Ma qualité de prophète. Yes. Le mal qui te faisait tourner en rond, ce mal est détruit au nom de Jésus. Amen. Ce qui a fait que maman s'est battue comme l'homme pour vous prendre soin de vous. Plus jamais vous allez être seul. Amen. Pour prendre non seulement soin de vous, mais soin des autres. Au nom de Jésus. Amen. 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 Je veux que tu prennes ton offrande. Prends ta deuxième offrande. Prends ta deuxième et dernière offrande. Merci Seigneur pour l'offrande de ce jour. Je scelle ma semaine avec cette offrande. Et je veux rentrer dans l'excellence à partir de la prédication que j'ai entendue au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu peux faire ton offrande. Alors, il est question du sacrifice suscité par l'apôtre, donc mon cardinal. Il était ici et il a demandé à des personnes inspirées de faire une offrande avant le 10.
Amen. Est-ce que quelqu'un est venu avec pour lui? Viens. Amen. Amen. Alors j'appelle ici le prophète l'ange. Est-ce que tu peux acclamer notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Amen. Si tu veux acclamer Jésus, acclame-le avec excellence. Acclame-le avec excellence. Yes. Amen. Amen. On va rester debout parce que notre culte tient à sa fin. Nous avons entendu un très bon message, comme tous les jours, alléluia. Nous avons Amen. Un bon père spirituel qui prend le risque de prêcher les choses que les autres ne prêchent pas. Ma prière, c'est que cela nous affecte tout le temps, alléluia. Amen. Amen. Aujourd'hui, les gens ont un peu chaud, entre griffes. Avant, les gens disaient... Ne suivez pas les nouveaux prophètes là. Tout ce qu'ils ont, dès qu'ils viennent, ils font des miracles. Dès qu'ils viennent, ils commencent à donner des révélations. Tu t'appelles tant. Mais c'est des gens qui ne pèsent rien, ils ne prêchent pas, ils ne connaissent pas la Bible. N'allez pas là-bas. Et puis effectivement, quand les gens voulaient écouter des prédications pour être édifiés, ils écoutaient une certaine catégorie de personnes, certains pasteurs. Et quand ils avaient des problèmes, ils étaient malades, ils avaient besoin d'orientation, ils viennent voir des prophètes. Alléluia. Mais nous avons, j'ai failli dire deux en un ici, mais on a mieux que deux en un. Nous avons tout en un à la MRI au travers de notre Père spirituel. Alléluia. Ça, il te prêche l'évangile, il t'édifie bien et un évangile qui ne va pas te rendre bête. Tu vis une vie chrétienne bien, mais tu n'es pas, permettez-moi l'expression, idiot dans la société de tous les jours. En plus, s'il y a un problème mystique, spirituel, il voit et puis il décante la situation. Est-ce que tu n'es pas à la bonne adresse comme ça? Come on. Donc, on est heureux. On a l'opportunité de ne plus être des chrétiens, comme on appelle, papillons. Alléluia. Que Dieu vous bénisse dans cette même position. Pendant que nous avons fini, nous allons appeler ici notre maman, la royale, qui va nous conduire dans la prière finale. Sous vos acclamations. Et pendant qu'elle vient, si tu es venu avec ta dîme, tu vas la préparer, elle va l'annoncer. Amen. Amen. Bien-aimé, que toutes les personnes qui sont venues avec leur dîme veuillent bien s'avancer. Pendant que les personnes viennent avec leur dîme, nous allons nous mettre en position de prière. Mais bien avant, nous allons prier pour les dîmes. Seigneur, merci pour toutes ces personnes qui honorent ta parole. Merci pour tout ce que tu fais dans leur vie. Père, continue de les bénir et à faire en sorte éternelle qu'ils honorent et respectent ton évangile. Amen. Que leur grenier soit toujours plein. Et fasse en sorte éternelle que l'huile et la farine ne manquent jamais dans la maison. Amen. Amen. Nous allons réciter notre prière finale. Seigneur, Seigneur, sois à notre départ, à notre arrivée, tout le long du chemin, que nos greniers soient toujours pleins, sois à notre retour, au nom de Jésus. Amen. Passez une excellente semaine et n'oubliez pas, nous avons un rendez-vous cette semaine. Qui est le rendez-vous de l'évangélisation qui va se tenir en face du nouveau CHU d'Angers de 7h à 8h et de 16h à 18h.
Nous vous attendons et soyez à l'heure. Que Dieu bénisse votre semaine, que Dieu vous bénisse. Alors tous les nouveaux sont priés de venir s'asseoir ici devant afin d'être enregistrés par les pasteurs. Toutes les nouvelles personnes de ce matin sont priées de se rapprocher des premières places ici pour être enregistrées par les pasteurs. Merci. Je pense que vous allez pas venir me dire non que Jean.